Et les journalistes, notamment de la presse télé, on vient pas, enfin c'est pas un zoo quoi aussi la banlieue. C'est-à-dire qu'on vient pas à des moments comme vous l'avez dit, quand tout va mal. Ce que reprochent beaucoup de gens aussi, c'est de dire mais vous venez à chaque fois qu'il y a un problème. C'est ce que dit Nordine Nabili, le président du Bondi Blog. Pardon, je vous interromps. Il y a quatre mots clés: islam, violence, polygamie, terrorisme. Oui. C'est uniquement pour ça que les médias viennent en banlieue. Il y a un peu de ça. On vient aux zoo, quoi. Et donc, la banlieue, c'est pas un zoo. C'est c'est les gens qui sont normaux, etc. C'est aussi à vous d'attirer les médias quand les actions sont positives au sein de votre ville. C'est à vous de faire la promotion. Mais ça marche pas toujours. Mais il y en a. Après, je pense que la télé, il y a besoin d'images. Il y a besoin de choses clés, etc. C'est sûr que quand ça pète, c'est compliqué. Après, il y a la question de la télé, il y a la question de la presse écrite, où là, on peut y avoir, par contre, des vraies analyses. Et là, on peut rediscuter aussi sur la question de comment la presse écrite prend aujourd'hui la réalité et la situation de la banlieue, de la périphérie en général.